Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech, vidéo consacrée à la zéolite volume 2. On en avait fait une à Batibo avec Olivier Dubois pour montrer l'utilité de la zéolite, mais on avait besoin d'explications en plus. Donc on a ce super petit schéma, un peu à la Frédé Jamais de C'est pas sorcier. On va vraiment vous expliquer ce qu'est la zéolite. Ça fonctionne dans les lave-vaisselles, des marques comme Bosch, Siemens, Neff, Gaggenau et plusieurs utilités. Ça améliore tout d'abord le séchage. C'est très important parce qu'on est passé dans un séchage à condensation. Les anciens lave-vaisselle étaient un séchage à évacuation. Donc on a été obligé d'avoir des séchages avec condensation. C'est comme ça que la production s'est faite avec le temps. Et on a voulu des lave-vaisselle qui condensent mieux, donc qui absorbent beaucoup plus l'humidité, qui consomment peu. Ça, c'est très très important, mais que le séchage reste de qualité. Donc la zéolite a été inventée. Alors c'est extrêmement simple en fait, vous ne devez pas y toucher. Ça se régénère durant toute la vie, il ne faut jamais réparer ou s'occuper de la zéolite. Absorption de l'humidité, ça passe à travers ce minéral naturel qu'est la zéolite, ce sont ces petites billes-là. Tout ça est transformé en énergie et redistribué dans le lave-vaisselle. Donc deux fonctions principales extrêmement simples, absorber l'humidité, donc diminuer la condensation, améliore le séchage et gain d'énergie car cette humidité est retransformée en énergie. C'est tout simple et vous ne devez pas vous en occuper. Tout ça pour améliorer évidemment le séchage comme je vous le disais, surtout sur les plastiques. Alors c'est pas parfait parce que les plastiques c'est toujours difficile, mais la plupart des plastiques et des boîtes en plastique seront mieux séchés dans un lave-vaisselle en zéolite. Prenez le temps de regarder quand vous achetez, renseignez-vous, ça c'est très très important, n'hésitez pas à passer voir cela en magasin. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous désirez en savoir un petit peu plus, on a tourné comme je vous le disais une autre vidéo avec Olivier Dubois sur la zéolite. Laissez-nous des commentaires si vous êtes d'accord ou pas d'accord ou si vous avez d'autres idées pour d'autres vidéos. YouTube, Facebook et Pinterest, n'hésitez pas à partager, à liker, à laisser des pouces, tout ce que vous avez envie et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !